Au petit matin, on découvre les corps de Jack et Anne Drummond, un couple d'Anglais tué par balle, et celui d'Elizabeth, leur fille, âgée de 13 ans, frappée à mort. À 150 mètres de là, dans une ferme, on a entendu les coups de feu. Dans cette maison vit la famille Dominici, Gustave et sa femme Yvette, tenant dans ses bras leur fils Alain, et à côté, Marie et Gaston Dominici, père de Gustave et maître des lieux. 2 ans plus tard, Gaston est condamné pour le meurtre des 3 Anglais. Depuis, les Dominici ont perdu leur maison et n'ont plus jamais retrouvé la paix. C'est l'endroit où je suis né, c'est la cour qui devait normalement pouvoir courir. Bon, cette cour m'était interdite, hein, tout simplement parce qu'il y avait des fous furieux qui me jetaient des pierres. Hein. Et donc, dans cette bâtisse, j'ai passé des journées entières parce qu'il y avait des gens qui venaient nous voir comme des bêtes. Depuis 1952, Yvette, la mère d'Alain, n'a cessé de clamer l'innocence de la famille. Divorcée, elle a tenu à conserver le nom, Dominici, et n'a jamais quitté la région de l'URSS. L'URSS, c'est mon pays. Je suis venue à l'école toute petite, qui sont de beaux souvenirs. Plus tard, je me suis mariée. Le reste, l'affaire, tout ça, ça a été atroce. Je souhaite de tout cœur qu'un jour, ce nom soit lavé de tout soupçon. Parce que pour nous, il n'y a pas de doute, on a toujours eu la certitude de l'innocence de Gaston. C'est là que je... Si Alain Dominici a déposé une nouvelle requête en révision, c'est aussi pour son père, Gustave. Tour à tour soupçonné, accusateur du vieux Gaston, avant de se rétracter, Gustave Dominici a été marqué à vie par l'affaire, obsédé par ce qu'il a vu ce matin du 5 août 52. Vous avez toujours ces images, hein ? L'image devant les yeux, hein. Moi, il me semble que c'est hier qu'il s'est passé ce machin. Pourtant, il y a plus de 40 ans. C'est Gustave qui, à 5h30 du matin, revenant de surveiller un éboulement de terre sur la voie ferrée, découvre le corps d'une fillette. Plus tard, les gendarmes trouveront les cadavres de Anne et Jack Drummond. Autour de leur voiture, une pagaille indescriptible. Visiblement, le véhicule...